à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 8 novembre. Il est 11h. Dans la cuisine, il était 10h38, ça me rassurait. Je vous prends tardivement parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer ce matin, notamment administratif, il fallait que je fasse mes comptes. Et je devais appeler Engie parce que depuis que je suis passée chez eux, en fait, ils n'avaient jamais fait de régule de mes mensualités, en fait. Je les ai appelés pour comprendre pourquoi, et en fait c'était juste un oubli, donc j'ai bien fait de le dire, parce que du coup ça réduit ma mensualité de 20 €, je crois. Je passe de 206 à 188, je paye extrêmement cher en EDF, parce que j'ai une maison qui consomme énormément l'hiver. Ça devrait normalement s'arranger, puisque là, logiquement, ce mois-ci ou le mois prochain, on a l'intervention, enfin le début des travaux en fait sur les chauffages. Normalement, c'est ce que les techniciens avaient dit à Laura quand ils sont venus en fait faire les repérages, puisque en fait ils avaient demandé une maison témoin, et moi à ce moment-là je travaillais. On m'avait contacté pour qu'ils viennent chez moi, mais je travaillais donc je ne pouvais pas les recevoir, et comme Laura à ce moment-là ne travaillait pas, c'est elle qui les avait reçus, puisque elle et moi nous avons la même maison, et en fait ils voulaient en fait une maison de chaque configuration, c'est-à-dire T3, T4, machin. Bon, nous on a toutes les deux un T4, mais à côté de chez moi c'est des T3, et donc ils sont passés, ils ont visité un logement de chaque configuration. Donc quand ils sont allés chez Laura, elle les avait questionnés, et ils lui avaient dit que c'était censé normalement être fait là, sauf que la logique veut qu'ils vont venir installer ça en hiver, et que donc on va être privé de chauffage pendant je dirais 3-4 jours. Ça va être génial, je le sens bien. Bref, c'est du grand n'importe quoi, c'est un peu comme le parc de notre commune qui est fermé pour travaux depuis le mois d'avril. C'est logique en fait de faire des travaux dans un parc à une période où les enfants vont vouloir y aller. Donc là, avec le Covid, problème de, comment dire, d'approvisionnement des matériaux pour finir. Donc en fait, depuis le mois d'avril, le parc est fermé et il ne prévoit pas de le rouvrir avant le 30 novembre, date à laquelle nous n'irons pas parce qu'il fera trop froid. Voilà, c'est logique. Tout est logique. Bref, du coup, aujourd'hui, donc on est lundi, j'ai passé le week-end avec ma copine Aurore, vous le savez, donc elle est arrivée jeudi après-midi. Je vais me poser un peu parce que j'ai le bras en l'air, c'est pas très agréable. Donc elle est arrivée jeudi après-midi, on a pris un petit café, on a discuté, ensuite on a été faire des courses, on a passé la soirée avec les enfants, enfin papotage, etc. Vendredi soir, mes enfants sont partis chez leur papa. Avec Aurore, je sais plus ce qu'on a fait vendredi. Ah bah si, on a fait un goûter avec Laura, du coup j'ai présenté Laura à Aurore et inversement. Et on avait été marcher aussi le matin. Et puis samedi, on est allé faire du shopping l'après-midi. Et puis le soir, en fait, Eric avait proposé de repasser à la maison avec les enfants. Alors déjà parce que il aime beaucoup Aurore, il s'entendait très bien à l'époque où on était encore en couple, et donc voilà, il avait envie de passer la soirée avec nous, et puis les enfants aussi du coup, puisque Aurore est venue avec ses enfants. Donc on a passé cette soirée ensemble, on s'est fait une soirée raclette, c'était très sympa. Et puis du coup dimanche matin, elle est repartie. Moi j'avoue, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Du coup je suis partie prendre un bain dans lequel je suis restée une éternité. Et j'ai reçu une invitation de la part d'Emeline pour venir voir son petit bébé qui a tout juste 2 semaines, qui est trop mignonne. Du coup, je lui ai offert mon cadeau de naissance, et ensuite, je suis rentrée pour récupérer les enfants. Et aujourd'hui, retour à la normale avec la reprise de l'école. Grosse boule dans le ventre pour Adam, comme d'habitude, puisque en fait, il appréhende toujours. Et comme là, la semaine prochaine, il a son stage de découverte toute la semaine. Alors, je vais vous dire Ribou, ça va pas vous parler. On a une base nautique en fait à Cholet qui s'appelle Ribou, qui est en fait il y a un grand parcours de marche, il y a des sports nautiques, il y a une aire de jeu pour les enfants, il y a, je crois, un mur d'escalade, il y a plein de choses en fait. Et les enfants vont faire une semaine de découverte là-bas, et malheureusement, Adam n'a pas du tout envie d'y aller parce que
il sait qu'il est pas très sportif en fait, et du coup il veut pas faire l'effort. Il a peur de faire de l'escalade. Je sais pas qui lui a raconté qu'il allait sauter tout habillé dans l'eau. Ça l'angoisse à mort. Et puis du coup j'en ai parlé à la maîtresse ce matin, qui n'a pas manqué de me rappeler que son comportement était toujours un peu... Je me dis le jour de la reprise, mais en fait elle a raison de me le dire, hein, parce que elle m'avait envoyé un mail en fait le soir des vacances, et j'avais transmis à Eric, parce que je sais qu'il ne regarde pas son compte Primo. Donc Eric devait en parler avec lui, j'en ai parlé avec lui aussi, donc j'espère que ça va s'arranger, mais honnêtement j'ai l'impression que il se rend pas compte en fait de ce qu'il fait. Et la maîtresse me disait la même chose ce matin. Mais du coup, moi, je trouve ça grave. Parce que je me dis, il se rend pas compte, mais pourtant, on lui répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et non, ça rentre pas. Donc, je ne sais pas quelle est la solution pour lui faire enregistrer ce genre de choses. Donc là, il m'a dit qu'il était très angoissé à l'idée d'aller à Ribou la semaine prochaine. Donc, je lui ai dit que si ça l'angoissait, il voit sa psy cet après-midi. Donc, c'était le moment idéal pour en parler. Donc, il m'a dit, OK, on verra s'il le fait. Mais en tout cas, il est parti à l'école ce matin, tranquillement. Marceau, ça s'est très bien passé, toujours, hein, avec lui, il est facile. Du coup, ce midi, je vous prendrai un petit peu quand je serai avec eux, comme ça, je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Tape à l'œil samedi. Alors, je vais pas acheter grand-chose, mais voilà, des petits coups de cœur. J'ai fait des achats sur Vinted aussi, que je devrais recevoir, je pense, dans la semaine. J'ai voulu me commander une yaourtière. Ça fait des années que j'ai envie de m'acheter une yaourtière. J'en ai discuté avec Aurore là pendant qu'elle était là, et elle me disait qu'elle allait à la Multidélice et que c'est juste une tuerie. Apparemment, elle est super, une 12 pot en plus, donc 12 pour nous, c'est super. Donc j'ai regardé sur le Bon Coin et en fait j'ai fait une proposition d'achat à une personne, sauf que en fait je crois que j'avais dû sélectionner la seule annonce en 6 pots. J'avais mis dans ma recherche 12 pots et ça m'a sorti une 6 pots, et comme voilà, je me suis précipitée, j'ai pas regardé la photo. En fait j'avais proposé un achat à une dame pour une yaourtière 6 pots, mais 6 pots c'est pas possible pour moi. Donc je l'ai recontactée en MP et elle a gentiment annulé la vente. C'est n'importe quoi. Donc quand j'aurai récupéré je vais récupérer mon argent, et je sais pas si je vais en recommander une ou pas. J'aimerais bien, mais je trouve que les 12 pots, elles sont chères quand même. Donc je vais peut-être attendre encore quelques mois, puisque là je vais devoir financer ma voiture. Donc je vais voir comment je vais organiser ça. Très bonne nouvelle. Avec Emeline, nous avons acheté des places pour aller voir Inès Reg en spectacle à Nantes au mois de janvier. Je suis trop, trop, trop contente. Vraiment, ça me fait super plaisir. J'ai besoin de sortir déjà. Faire une sortie avec Emeline, c'est soirée rigolade assurée, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on est ensemble, on rigole. Donc non, c'est un pur bonheur. Je suis trop contente. Donc ça, c'est juste top. Et puis, du coup, ce matin, ouais, j'ai passé du temps avec Angie au téléphone. J'ai fait mes comptes, j'ai modifié ma mensualité dans mon tableau de compte. Et puis, j'ai enregistré les achats que j'ai fait ce week-end. J'ai commencé à débarrasser la table du petit-déj. Il est 11h, c'est normal hein, que je fasse ça que maintenant. Niveau organisation, moi, c'est vraiment pas ça. Je mets pas la priorité au bon endroit. Là, je m'apprêtais à regarder ce qu'on allait manger ce midi, puisque j'ai fait des courses en fonction d'un menu. Donc, faut que je regarde ce qu'il y a au menu ce midi. Et puis, comme ça, je vais préparer le repas avant que les garçons rentrent. Et puis, du coup, cet après-midi, j'emmène Adam chez le psy. Donc, je sais pas ce que je vais faire pendant... Dans la salle d'attente, je pense que je vais lire. Mais du coup, il faut que je pense à prendre mes lunettes. Et puis, voilà. Après, on rentre, je dépose Adam à l'école, je récupère les gars, et ce soir, en fait, j'ai une personne qui doit passer pour acheter un truc qu'on a vendu sur le Bon Coin, le garage Hot Wheels de Adam, puisque en fait, il en voulait plus. Donc, hier, il voulait vendre son Alexa aussi, sauf que je lui ai dit que si il la vendait, il aurait plus rien pour écouter la musique, et là, donc bref, donc voilà, et bien là je vais continuer mon petit rangement, faire le repas. J'ai un panier de linge à plier ici, j'en ai un dans le sèche-linge. Et je dois mettre à sécher toutes mes housses de canapé, mes plaids que j'ai lavées hier soir. Et comme ça je les réinstallerai dans la journée. Et puis voilà.
C'est ça le programme de la journée. Passionnant. Donc voilà, bon bah sur ce, je vous laisse pour l'instant, je vous reprends tout à l'heure avec les gars, et puis je vous parlerai un petit peu des achats que j'ai faits, etc. Et puis, voilà. Bon, je vous reprends, on vient de rentrer de l'école, je voulais vous montrer du coup les petits vêtements que j'ai achetés à Marceau. Donc, il a son petit survêt couleur rouille, là j'adore, et regardez son t-shirt. Bon déjà j'adore le message qu'il écrit dessus, super brother, j'adore, super frère pour ceux qui parlent pas anglais. Et en fait... on peut le retourner, et alors après, par contre, je ne sais pas dire ce que ça représente. Ah si, c'est une guitare! Oui! J'avais pas compris. Voilà. Elle te montre au début. C'est, vous savez, c'est les t-shirts avec les petites, les petits strass, là. C'est rigolo. Et Adam, lui, il a le même. En future is now. Et par contre, c'est quoi ton dessin, toi, si on... Je n'ai pas de dessin, moi. Ah non, toi, t'as pas de dessin, c'est que... Ça représente quoi? Ah, New York City. Je veux dire quoi? New York City. Bah, ça veut dire New York. New York, quoi. Donc, ils ont eu ça. Adore Marceau, il a eu un autre petit t-shirt à manches longues, bleu marine aussi, avec juste un petit écusson sur une poche ici. Et puis, après, les maillots de corps que j'ai achetés chez Kiabi. Je suis trop contente, je leur ai acheté les calendriers de l'avant. Alors, je vais vous emmener dans mon garage. C'est peu glamour. Oui, je les stocke là-bas. Donc voilà. En attendant le 1er décembre, j'ai acheté les calendriers de l'Avent. Alors en fait, je suis allée chez Action et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais un calendrier de l'Avent Max & More. Vous savez, c'est la marque de maquillage qui est vendue chez Action. Et je voulais ce calendrier de l'Avent là pour Elsa. Sauf que je suis arrivée, il y en avait pas. Donc j'ai acheté du coup en faisant mes courses des calendriers de l'Avent au chocolat. Donc j'ai pris un Célébration. J'ai pris un premier modèle Kinder, un deuxième modèle Kinder et un troisième modèle Kinder. Voilà. Donc, ce que je voulais pas qu'ils aient le même pour savoir exactement à qui est chaque, pour pas qu'il y ait de mélange et que on vienne pas dire non mais il a mangé le mien machin, parce que voilà, ça c'est un petit peu mon quotidien. Donc comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et finalement, je suis retournée chez Action. Quand je suis allée chercher mon drive, en fait, samedi soir, je suis allée, du coup, à Chemillé. Et je me suis dit, je vais aller voir chez Action à Chemillé, on sait jamais. Et j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé le calendrier de l'Avent Max & More pour Elsa. Donc, bon, il est un petit peu plus cher que ceux que j'ai pris pour les gars. Parce que ceux des gars, ils sont, ils étaient, je sais plus, entre 5 et 8 euros, je crois, pièces. Et celui d'Elsa, il a 12,95. Mais bon, c'est pas très grave. Après, moi, je regarde pas forcément le prix. Hein. Quand j'achète des choses à mes enfants, je regarde plus la quantité que le prix. Donc, c'est comme pour Noël. Hein, je leur mets pas... un budget par exemple de 100 euros chacun et du coup bah s'il y en a un qui prend un truc à 100 euros, il a qu'un seul cadeau et les autres non, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, c'est plus au nombre de cadeaux justement pour que devant le sapin ce soit à peu près équilibré, on va dire. Donc voilà. Bon bah du coup là je suis en train de faire cuire des petits pois qu'on va manger avec du blanc de poulet ce midi, repas rapide. J'ai pas franchement fait du ménage ce matin finalement. J'ai continué mon administratif, donc c'est pas très grave, je vais le faire là pendant la pause déj. Et puis cet après-midi, direction la psy avec Adam. Ils sont calmes hein, quand ils sont que deux. Bon, on vous reprend, on a été déposer Marceau à l'école. Et là, nous on rentre à la maison. Oui, maman. Adam, il en profite parce que du coup, il avait plus de temps. Donc il a pu manger une sucette. Ouais. Marceau, lui, il a gardé son bonbon pour... le goûter, du coup. Non. Donc là, on va partir chez la psy. Non, mais il a pris un bonbon. Donc, finalement, je vais avoir de l'occupation pendant le rendez-vous. 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Mais je vais avoir de quoi m'occuper. Donc voilà, du coup, là, on rentre. On a, on va dire, une petite vingtaine de minutes. Et puis après, on va partir. Enfin non, même pas 20 minutes. 10 minutes, et puis ensuite, on va partir. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est ma journée. Je suis trop contente, j'ai une nouvelle de dingue. Comment vous dire? En fait, la seule personne avec qui je n'avais je n'avais pas proposé de venir avec moi à l'avant-première, c'est ma copine Mélissa. Enfin, je l'avais pas non plus proposé à Emeline parce que je savais qu'avec son bébé, elle pourrait pas.
Mais j'avais pas proposé à Mélissa parce que je pensais que voilà, un soir de semaine, vu qu'elle bosse, ça aurait été pareil que Laura, en fait, elle aurait pas pu. Et en fait, elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour me disant oui, j'ai su que t'avais personne pour t'accompagner au ciné, si tu veux, moi je veux bien venir avec toi. Mais là, mais trop de bonheur, quoi. Donc, du coup, je vais à l'avant-première de Super Héros Malgré Lui avec Mélissa la semaine prochaine. Donc ça, c'est trop cool. Donc, je m'en vais de ce pas acheter les places parce que, il en reste plus beaucoup. Et puis, c'est surtout qu'il faut absolument qu'on ait des places l'une à côté de l'autre, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, vraiment, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc, non, je l'ai pas dit. Anaïs, elle a perdu son chat. Oh. Le frère de Pernel, en fait. Quelle triste vie. Il est décédé samedi. Il a été renversé par une voiture. Voilà. Donc, elle a un petit chaton qu'elle a depuis peu, là. Tout. Avec qui il s'entendait super bien, en plus. Non. Mais, si, il s'entendait super bien. Doudou, il lui faisait sa toilette et tout, comme si c'était son bébé. Non. Bah, si. Moi, je voyais et en pas. Fait, il est... Doudou, ouais, il est rentré. Le chauffeur, il est arrivé. Il a mordu le... La... Il a essayé de mordre la jambe. Tu peux manger ça, le chauffeur, il a essayé de mordre la jambe de Doudou. Doudou, il l'a regardé comme ça. Le chauffeur, il est parti en courant. Donc, ouais, c'est une triste nouvelle pour Anaïs, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Quand on a un chat, on sait pertinemment pas. Que... Bah si, elle a pleuré, évidemment. Oui. Doudou, c'était son premier chat. Je suis désolée, je vous secoue, parce que je suis en train d'enlever mon manteau. Vas-y. Donc, ouais, c'est triste pour Anaïs. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est une bonne journée. Cet après-midi, je réserve mes places pour Inès Reg en janvier. Et ce soir, je réserve mes places pour aller voir Super Héros Malgré Lui la semaine prochaine. Donc non, c'est juste trop top. Mais en tout cas, je suis très contente de savoir que je vais pouvoir y aller. Donc c'est trop de bonheur. Bon, ben, je vous reprends. On est mardi matin, il est 8h50. Je viens de rentrer de l'école et j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Un gros, gros ménage surtout. Et j'ai pris le temps quand même de passer au marché où j'ai acheté des moules parce qu'il paraît que les moules de notre poissonnier ici sont excellentes. Donc, on va tester. Donc, j'ai pris des moules, un brocoli et des courgettes que j'avais normalement commandées dans mon drive et qui n'étaient pas dans le drive. Voilà. Donc voilà, et maintenant je clôture parce que je vais ouvrir un nouveau vlog et il faudra que je monte celui-ci dans la journée puisque il faut qu'il soit en ligne demain matin. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'était pas fait, laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !